Eh bien, salut à tous, c'est Etienne, on se retrouve sur Satisfactory en compagnie de Sup. Coucou. Et bon, on va reprendre tranquillement. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, alors pas mal d'optimisation en gros pendant qu'on était absent, ça a farmé. Après Sup, il a remplacé tous les toutes les rails, enfin tous les convoyeurs. On est passé sur du V3. Les foreuses sont passées sur des foreuses V2, donc il mine le double. Si on regarde, hop, ici, bah, on va plus pouvoir. Enfin, on a du mal à remonter le courant des convoyeurs, tellement ça va vite. Mais rien que celle-ci, qui est déjà sur un minerai pur, elle produit 240. Donc, bah, il y a énormément de trucs qui arrivent. En plus de ça, avec les convoyeurs V2, V3. On est à 260 ressources par minute, donc déjà rien que là, ça permet de du coup d'override la cadence des fonderies, etc. Enfin, de toutes les lignes, donc ça c'est intéressant. Là, j'ai un peu poussé sur les plaques et sur les tubes parce que ça avait du mal. Ensuite, qu'est-ce qui a été fait? Alors que je me perde pas là-dedans, niveau stockage, super agrandi. Nos stockages, surtout pour les poutres en acier, etc. Là, ça farme nickel. Alors, hop, si je monte, celui-là il est full. Allez, ceux du dessus ils sont full. Hop, là aussi. Donc ça farme vraiment pas mal, hein. Hop, celui-là il est même full ici. Donc voilà, là aussi on a le béton qui est maintenant avec des poutres reconverties en béton armé, ce qui est le nouveau tiers qu'on a besoin. Ensuite, on va faire aussi un nouveau palier, les hypertubes, parce que ça va nous permettre de nous déplacer assez bien. Alors, il me faut encore des tubes, ça on en a à revendre, hein. On en Ah a un non, les sacré tonnes. paquet. Pour l'instant, on ne les exploite pas, c'est pour ça qu'on en a autant. Hop, ça me suffira. Il en fallait 200 seulement, donc on va pouvoir lancer ça. Hop, hop, et c'est parti. Donc rien que ça, le palier en plus. Bon, ça, c'est un palier qui sera facile à faire. On fera après. Donc, du Introducing coup, hypertubes, safe, on aesthetic, a. adaptable, fun. Enjoy a view of your hard work as you soar through incredibly tight turns. Build them today. Ok. Du coup, on a Note. les. Ah, tais-toi. Tais-toi, Lia, tais-toi. Du coup, on a les hypertubes. Elle voulait pas s'arrêter de parler. On a les hypertubes, donc on va pouvoir crafter ça, et ça va nous changer la vie. Alors, ça a juste besoin de plaques de tubes renforcées. On a des plaques de fer et du béton juste pour les supports. Et bon, on va tester ça. On va tester ça. On va prendre du béton. On va aller prendre des tubes, des plaques d'acier. Donc, les plaques de fer, les tubes en acier ici. Il y a aussi ces trucs-là. Les tôles en cuivre. Et j'ai dit. Milestone Attends, non, reached. c'est direct? R&D inflated your Oui. pocket dimension, added an Il était additional déjà heavy revenu le equipment truc? slot, and have Ou il est pas provided an parti? improved Xenozapper with increased Ah bon? strength and range. Je sais pas en fait, parce que d'habitude t'as un timer pour pouvoir relancer un autre truc. Ouais. Bon bah Bah ouais. nickel. On va pouvoir se changer notre petit taser contre Matraque. une belle matraque. Il est où? Le cogne Xeno. Donc il faut que j'en crafte un autre comme ça. Voilà. On va prendre celui que j'ai dans les mains. Et il manque des fils de cuivre. Allons chercher ça. Fils de cuivre. Hop. On va prendre deux, comme ça je suis tranquille. Hop. Ah, déjà occupé. Ah non, je suis en train de regarder ce qu'il fallait pour le crafter.
Il faut que tu craftes un repush Xeno et puis après, le truc c'est pas trop compliqué. Alors, d'ailleurs on a plus d'emplacement dans les mains. Voilà. Donc si je le sors, voilà. Arrête sabre laser. Ah ouais? Boum. Aïe! Attention, j'ai plus de portée, hein. Arrête de mourir! C'est bon, j'ai compris! Ah, t'as de la chance de bugger. Hein. Alors, si je te touche comme ça te touche quand même. Mais mec, j'étais à 20 km et tu m'as quand même touché. Mais En fait, arrête, je suis pas à côté de toi! je crois que ton corps qui bug, si je veux, je peux le violer et tu ressens même si t'es à 10 km. Je suis à 300, je suis à côté du container à truc à fil en cuve là. Ah ouais, parce que moi je te vois en train de foncer dans le mur et j'ai juste à te tirer dessus et puis en fait tu ressens la douleur Ouais à ouais ouais distance. ouais Tiens, ouais. Ouais regarde. ouais ouais ouais. Headshot. Arrête. Vas-y. Arrête. Alors, du coup, là, si je fais entrée d'hypertube, genre là. Voilà, que maintenant je fais ça. Ah, je l'ai mis dans le mauvais sens. Super. Du coup, c'est dans ce sens-là. Ok. Milestone exchange Voyons concluded. Fix it freighter re-entry complete. Et là, tu as voir. l'hypertube qui envoie dans la lave, nickel. Putain, on peut. C'est une sacrée portée, hein. Vache. La vache, la vache. Attends, on va même faire quelque chose d'autre parce qu'il me semble. Vu que t'as fait des tickets. On va pouvoir prendre des nouveaux trucs. Nouveau tube. On va aller imprimer les tickets. Hop. Impression de ticket. Tac. Ah bon, c'est un item qu'on garde dans le sac du coup. Et là, je vais normalement pouvoir acheter des attaches. Attache d'hypertube. Ah, ça c'est pas mal. Ça aussi c'est pas mal. Fondation. Ah mais attends, je viens de penser, mais ça en fait ça va me permettre de faire des constructions. Et je vais pouvoir faire passer les hypertubes dedans. Ça a l'air pété. Ça a l'air pété. Alors panier, panier, hop, on dirait un site web, c'est rigolo. Vraiment. Ah, il me manque des coupons. Et bon, on va faire ça. Hop. Voilà. Alors, voyons voir. Est-ce que c'est vraiment ça, en fait? Fondation. Est-ce que c'est vraiment pour faire passer. Ah non. C'est un peu gros pour les tubes. C'est un peu gros pour les tubes. Ah oui! Rentre dedans! Ah, attends, ah, attends. En tout cas, c'est sympa. Ah si, ça peut faire passer. On peut faire passer les tubes et tout dedans, du coup. Ah, c'est pété. Et ensuite, c'était quoi? C'est quoi celui-là? Hyper wall hole? Un trou dans le mur? Ah, Ouais. c'est pour faire traverser un mur. Hein. Et là, c'est le support. Et du coup, faut l'accrocher à un mur. Si on le met, hop, on met des murs comme ça. Genre déjà, on va défaire celui-là. Voilà, on retire ça. Là, si je prends un trou, oh, c'est magnifique. C'est magnifique ça. Alors, entrée hypertube.
C'est dans ce sens là, je crois. Non, mauvais sens. Dans ce sens. hop. Voilà. Là, si je fais ça, hop, je peux faire passer dans le mur. Et après, si je suis de l'autre côté, je peux du coup mettre. On va mettre des murs comme ça, tac, tac. Après les murs, je peux les faire descendre si je vise le dessous. Faire quelque chose de vraiment clean. Hop. Hop. Et là, si je veux mettre support mural. Ah ouais, je peux. Et là, du coup, si je fais ça. Ah, mais c'est trop bien. Bon. Mais c'est vraiment trop bien. Bon, bah, on va. Ouais, il faut tirer ce tuyau jusqu'au bout du monde. Voilà, oui. Tac. Ah non, oublie un. Tac. 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 Bon, après, on va faire ça. Non, ceux-là, on va pas les mettre parce que sinon, ils cassent la pompante. Comme celui-là. Hop. Maintenant. Transport, on va le mettre là. Celui-là, on va le mettre là. Oh, c'est trop bien. Ici plutôt. Ok, du coup, là, celui-là, on va le mettre là. Ouais, ici. Par contre, ça marche pas dans les deux sens, non? Si, si je mets une entrée dans l'autre sens, ça marchera. Normalement. Hop. Ah, zut. Je suis foiré. Hop. Ça c'est branché. Là c'est branché. Là c'est branché. Voilà. Ah, mais c'est trop bien. J'arrive. Oui. Ah, en plus, c'est super rapide. Ah ouais, non mais de ouf. Hop, ici. Je vais faire des petits murs pour faire quelque chose de propre. Voilà. Ça non, pas sûr. Et ici, transport, ça, une entrée, donc c'est comme ça. Voilà. Est-ce que je peux mettre un mur ici? Non. Non, c'est pas grave. Donc, j'ai dit entrée de tube. Là, on branche ici et là on branche là-bas. Et du coup maintenant il faut brancher à ce côté-là. Ok. Il faut brancher tous les côtés. Très bien. Et ben on fait. Comme ça. Hein. Et du coup là il faut juste rentrer dedans. Attends, normalement on peut faire demi-tour. Ouais, on peut faire repartir dans l'autre Demi-tour sens si on veut. dans le, on peut faire demi-tour dans le tuyau, ouais. Ouais. Hein? Ah. Ah, Est-ce que par ça contre, s'il y a plus de courant, tu restes. consommerait à mort? S'il y a plus de courant, tu restes coincé dans le tuyau. Ouais. Oh la vache. Non, ça consomme pas spécialement beaucoup pourtant. Ouais, on était peut-être un peu trop juste. Peut-être. Ah ouais, on était tout pile poil juste. Bon bah va falloir rajouter un
Au bout d'un an, t'as peut-être boosté tout le truc, mais va Bah, falloir. bon, après, c'est vrai que j'ai ajouté le truc pour faire les bétons armés et tout. Attends, on Ouais. va voir ce que je vais faire. Attends. Je vais voir. Je vais enlever Attends, je vais déconnecter l'overclock. ça. Non, mais c'est bon, j'ai enlevé le surcadençage du béton. Ah, c'est parce que tu venais de l'augmenter? Ouais, je l'ai augmenté, j'ai mis 2 surcadences. Ok. Bah, faut... De toute façon, on va devoir refaire Un truc au charbon. Ouais, des trucs au charbon, ouais. Hop, c'est parti. Ah ouais, non, mais ça change la vie. Non, on va pouvoir atteindre des endroits beaucoup plus facilement. De ouf. C'est un petit peu de mal à monter, mais c'est normal. Hop. Ok. Nickel. Nickel, nickel. Ok. Bah, de toute façon, il va nous falloir aussi des limaces. Oui. Ça, on peut le lancer. Tac, tac. On va tout injecter dedans, ça aussi. Ah, il y a les cadres modulaires, faudrait qu'on fasse le craft. On va le mettre en place après. On va même le mettre en place tout de suite. Donc. Des vis. Donc qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un assembleur. Assembleur, il me faut les tubes. Truc là en plus. Donc. On arrive là, on continue. Ah bon? Assembleur. Voilà. Ici. Ça. On va continuer. Il faudra qu'on refasse ça. Qu'on refasse le main bus par la suite. Ah, de toute façon, après, quand il y aura les trains. Pareil, ce sera toute une autre organisation à faire. Donc on verra plus tard. Oui. Hop. Hop. Ah, c'est bon. Comme ça, là, déjà, on peut mettre du V3. Voilà, donc là il faut que j'aille injecter dans lui. Ah oui, non, c'est des plaques de fer renforcées et des cadres modulaires. T'as posé un truc? Non, pour l'instant j'ai rien relié. Parce que ça a encore lâché là. Étrange. Alors attends, faut voir. Je vais refaire une autre. Un autre truc. Si Après le. l'assembleur, on va le mettre en Peut-être décalage que le tube aussi, ça doit consommer pas mal. plutôt. Ça consomme 10 normalement, donc pas censé consommer de trop. Ça c'est 3 par minute et ça c'en crée 5 par minute. C'est pas mal. Du coup c'est très bien que ça comme ça. Voilà, ici. Organisation. Faut que ça passe par-dessus. Voilà. Ensuite, de toute façon, là, il va falloir les trois. Donc. Oui. Il y a ça. Qu'il faut que je baisse. Il y a des trucs qu'on peut couper aussi, genre le soufre et tout, on est au maximum là. Ouais. Je vais le couper. Tac. On remonte. Ça comme ça. Ça. Ça
Ça, je suis quasi, je suis même en ligne droite parfaite. Ouais, c'est beau ça, c'est beau. Ensuite, la plaque. Oups, en mauvais sens. Voyons voir. Voilà. Ah, c'est mieux. Normalement, c'est ça. Et là, même chose. Voilà, ici. Voilà. Et ici. Voilà. Du coup, ça. Mince, dans le mauvais sens. Bah là, on peut le mettre en direct. Mince. Ça, on peut le brancher en direct. Ah, ça a lagué un petit peu. Ouais. Ouais, j'ai vu des trucs se construire qu'après. Hop. Ah oui, les plaques, y a pas assez de plaques. Ah oui, y a vraiment pas assez de plaques qui se. Ah bah c'est normal, là y a tout qui s'est arrêté. Ah ouais, c'est normal. Mais c'est bon, j'ai désactivé une machine, je pense que tu peux réactiver là. Ok. Bien, voilà. Non. Ah bon? Ouais, non, il va nous falloir vraiment de l'énergie en plus là. Bon, de Là, toute façon, ça. je vais faire un autre truc. Voilà, il faut qu'on s'en refasse un lot de 3, je pense. Donc ça, je peux. Une pompe à eau, est-ce qu'on a. Ouais, je sais pas si on en a besoin de 2. Ça. Attends, j'ai de quoi en poser déjà quelques-unes. Non, ça marche encore? Non, ça marche pas. Ça buggy par contre. Hop. Je vais aller poser les comment dire les générateurs. Niveau pompe à eau, je sais plus à combien elle était la pompe. De quoi? La pompe elle était à combien de 400 mètres cubes. 400 mètres cubes par seconde. Par minute, je veux dire. Ok. J'en ai fait deux, hein, de réservoir. Ah J'ai ouais, fait deux, j'ai fait d'accord. une deuxième pompe et un réservoir à côté de l'autre. D'accord. Ah ouais, mais du coup Donc éventuellement. c'est relié à rien. Ok. Bah oui, parce que pour l'instant c'était juste en cas de réservoir. S'il y avait un pépin en cas d'eau, tu vois, tu branches. Et ça te fait redémarrer. Parce que le charbon, s'il n'y a pas d'eau, même si elle commence, Ouais. ça démarre pas. Ouais, très bien, très bien. On va Tu as brancher juste à ça faire là. la cheminée à côté, c'est bon. Là, je voulais voir. Il n'y a pas ça, stackable. Est-ce que ça permet d'en créer plusieurs? Ah, oh. Ça va être encore plus beau ça. Alors. Ça, moi je dis oui, moi des trucs comme ça, c'est juste magnifique. Quoi non? Attends, du coup là je peux mettre. Est-ce que je peux mettre ça suivi de. Oh bah ouais. Il va pas que je le mette parce qu'il y a ça. Pas le poser, parce que c'est ça qui te fait peur. Est-ce que t'as peur de ce machin-là? Non? Si tu veux bien. Si je le bouge un petit peu là. Ouais, voilà, ok. Je sais pas pourquoi il voulait pas. Et du coup, là. On va faire ça et ça. Hop. Voilà. Donc déjà,
on va faire ça. Hop, tuyau. Celui-là, il va en bas. Celui-là, il va en haut. On peut faire tellement de trucs super magnifiques. Ah, moi, c'est limite un orgasme, là. Ah ouais? Ah ouais. Ok. Ça, on démonte. Du coup, ça, ça va là. Ici, on va mettre un tournant. Là, est-ce que ça suffit? Yep. Et ici, alors. Je suis tout en haut de la montagne, je te vois démonter tout en bas là. si je fais plutôt ça. Enfin plutôt que je m'aligne ici. Et on va. Hop. Ça. Voilà. Nickel. Et ensuite ça. Comme ça maintenant. Je peux le relier. Alors je vais juste mettre un truc. Ici. Hop. Voilà. Comme ça, on peut faire quelque chose de propre, je pense, sans trop gêner la circulation. Voilà. Ça, c'est bon. Du coup, ça veut dire que là, j'ai de l'eau qui rentre. Nickel. Ça. Supprimer ce grand câble. Ah. On va le brancher là. Ensuite. Logistique. Répartiteur. Hop. Ici et ici. Ah, j'ai mis le poteau pile le poil où il fallait pas. Pas grave. On va la rapprocher un peu. Pas gênant. C'est pas gênant. Je suis pas aligné. Je suis pas aligné. Voilà. Là, je suis. Oui, c'est bon. Oui. Hop. Hop. Et donc c'est bon. Ils ont de l'eau et tout. Et là si j'active, c'est bon. Ok. C'est bon. Ouais. Ils reçoivent nice. Du charbon. Et du coup, je vais aller checker quand même s'il y a bien les deux pompes en route. Production en pause. On va t'activer. Voilà. Ok, c'est en train de produire de l'eau. Avant que ça tourne à fond. Ok, de toute façon là normalement t'as. Il y a pas mal d'eau. Ah, il y a 400 mètres cubes dedans. Oui. Ok, bah nickel. Enfin 400, donc ça fait 800 mètres cubes au total.
800 mètres cubes de secours, c'est pas mal. Donc niveau énergie, normalement on devrait être pas mal. Bon bah il a été pas mal de petits trucs à régler et tout, mais au final ça nous aura pris un épisode. Ouais, Un enfin bien épisode aussi. entier. Et ben on verra dans le prochain épisode la fin comment dire, le truc de production pour les cadres modulaires. On finira ça ensemble et après bah, on ira faire la chasse à la limace, hein, je pense. Parce qu'il va falloir qu'on aille en chercher. Et de toute façon, il faudra qu'on regarde aussi pour le prochain palier. Voilà, sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Bye bye.